En 2023, la valeur totale des airdrops de crypto-monnaies a atteint environ 4,56 milliards de dollars. Parmi les airdrops les plus importants de 2023, trois ont dominé le marché en termes de valeur distribuée. Le premier, c'est celui d'Arbitrum, qui a distribué environ 1,97 milliard de dollars de tokens ARB. Le deuxième, c'est Celestia, avec une distribution de tokens TIA d'une valeur de 730 millions de dollars. Et le troisième est le premier airdrop de Blur, qui a distribué les tokens Blur, justement, d'une valeur de 450 millions de dollars. Ces trois airdrops, à eux seuls, ont fait près de 70% de la valeur totale des airdrops en 2023. Et a priori, ça va s'accélérer en 2024. Salut la Team Mindset, aujourd'hui on va donc parler des opportunités incroyables dans le monde des crypto-monnaies et plus particulièrement des airdrops. Ce marché est en pleine explosion et je me suis dit que je devais partager avec vous les dernières informations et surtout la manière d'en profiter au maximum quand on est débutant et également avoir une stratégie claire et simple à appliquer comme d'habitude. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches avant d'investir. Let's go! Les airdrops représentent une chance unique de gagner de l'argent gratuitement. Certains, notamment dans l'écosystème de Solana, ont déjà rapporté des sommes énormes à de nombreuses personnes. Mais avant de vous donner le nom des airdrops que je suis et ma stratégie d'investissement, on va déjà comprendre tout cet écosystème pour que vous sachiez exactement où vous mettez les pieds. D'abord, c'est quoi un airdrop? Pour faire simple, c'est quand un projet de crypto distribue gratuitement des tokens ou des coins. Ça peut être pour récompenser les détenteurs d'une certaine crypto, promouvoir un nouveau projet ou même juste pour créer un buzz autour d'une plateforme. Il y a différents types d'airdrops, comme les airdrops standards où tout le monde peut participer, ou les airdrops exclusifs qui vont être réservés à des membres fidèles d'une communauté. On trouve aussi les airdrops de bounty où vous êtes récompensé pour aider à promouvoir un projet, souvent sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, il y a les airdrops pour ceux qui détiennent déjà certaines cryptos. C'est quoi les avantages? Ils permettent d'élargir la distribution des tokens, ce qui peut augmenter la liquidité et potentiellement la valeur du token. C'est aussi un super outil de marketing et ça peut vraiment aider à construire une communauté autour d'un projet. Mais attention, bien sûr, il y a des risques. Il y a des arnaques et des projets frauduleux qui utilisent de faux airdrops pour vous piquer vos infos ou vos clés privées. Et puis, la valeur des tokens qui sont airdrops peut être super volatile. Si tout le monde vend ses tokens tout de suite, leur valeur peut chuter. Alors, comment on fait pour participer à un airdrop? Généralement, c'est assez facile de les trouver. Ils sont souvent annoncés sur le site web des projets ou sur des forums de crypto. Il y a aussi des sites et des chaînes sur les réseaux sociaux qui sont dédiés aux airdrops. Pour conclure, les airdrops peuvent être une super opportunité, mais comme toujours dans le monde de la crypto, si quelque chose a l'air trop beau pour être vrai, ça l'est probablement. Je vais vous présenter des opportunités spécifiques d'airdrop, y compris sur Ethereum et Solana. Mais d'abord, je vais vous donner une stratégie simple pour maximiser vos gains et je vous expliquerai également comment participer activement aux propositions de gouvernance et au staking pour augmenter vos chances d'obtenir des airdrops. Donc tout d'abord, il est important de comprendre ce que signifie farmer des airdrops. L'idée, c'est d'être proactif pour maximiser vos gains. Vous aurez besoin de différents outils pour cela, comme des portefeuilles crypto sécurisés, des explorateurs de blockchain et bien sûr, une présence active sur les réseaux sociaux pour rester informé des dernières airdrops. Pour approfondir la stratégie d'investissement dans les airdrops crypto, il est important de comprendre que la gestion active et stratégique de vos tokens, elle est essentielle. Voici quelques points à considérer. Étape 1, il faut configurer votre portefeuille. Choisissez un portefeuille crypto qui est fiable, qui prend en charge les tokens que vous souhaitez obtenir par airdrop. Installez l'extension de portefeuille si vous utilisez un portefeuille de navigateur comme MetaMask ou configurez votre hardware wallet et connectez-le à une interface de portefeuille qui est compatible. L'idée, c'est d'utiliser ce portefeuille exclusivement, et j'insiste là-dessus, pour les airdrops. Je vous le dis car j'ai déjà fait l'erreur de tout mélanger à l'époque des NFT et je suis tombé sur une arnaque où j'ai tout perdu. On ne mélange pas tous ces œufs. Étape 2, suivre les réseaux sociaux. Restez informé des airdrops à venir en suivant les comptes officiels des projets blockchain sur les réseaux sociaux. Twitter et Telegram, ou je devrais dire X, mais j'ai du mal, encore c'est vrai, sont des plateformes qui sont courantes pour les annonces d'airdrops. Rejoignez des groupes communautaires et abonnez-vous aux newsletters pour ne manquer aucune mise à jour. Étape 3, participez aux campagnes d'airdrop. Engagez-vous dans les campagnes d'airdrop en complétant les tâches définies par le projet. Cela peut inclure le suivi des comptes sur les réseaux sociaux, le retweet des publications, la participation à des groupes Telegram ou la recommandation d'amis. Ces actions, elles démontrent votre intérêt pour le projet et elles vont augmenter vos chances de recevoir des tokens qui vont être airdroppés. Étape 4, surveillez votre portefeuille. Vérifiez régulièrement votre adresse de portefeuille sur un explorateur de blockchain pour confirmer que les tokens airdroppés ont bien été crédités. Cette étape, elle vous assure de ne pas manquer de distribution et vous permet de suivre vos gains d'airdrop. Étape 5, participer aux échanges de tokens. Certains tokens reçus par airdrop peuvent ne pas avoir d'utilisation ou de valeur immédiate. Pour tirer parti de ces tokens, vous devez utiliser des échanges décentralisés, des DEX, pour les échanger contre des crypto-monnaies qui sont plus établies. Étape 6,
explorer les opportunités de yield farming. Pour maximiser vos gains, envisagez de participer à du yield farming. Le yield farming, ça implique de fournir de la liquidité sur les plateformes DeFi en échange de récompenses. Recherchez et choisissez des projets DeFi qui correspondent à vos objectifs d'investissement et à votre tolérance au risque. Étape 7, restez informé sur les politiques d'airdrop des tokens. Chaque projet peut avoir différentes politiques qui concernent les airdrops, y compris les critères d'éligibilité et les calendriers de distribution. Donc restez bien informé de ces politiques pour vous assurer de répondre à toutes les exigences et de bien recevoir les tokens qui sont airdroppés. Étape 8, sécurisez vos actifs. Oui, je sais que j'en parle souvent, mais encore une fois, c'est par expérience. Alors que vous accumulez les tokens airdroppés et que vous participez à diverses activités DeFi, donnez toujours la priorité à la sécurité de vos actifs. Utilisez des hardware wallets pour un stockage à long terme, activez l'authentification à deux facteurs et soyez vigilant face aux tentatives de phishing. Voici donc pour finir quelques airdrops attendus en 2024 qui pourraient être intéressants. C'est une liste non exhaustive des airdrops que je suis. On a Taiko qui est un ZK roll-up qui vise à offrir une compatibilité complète avec Ethereum. Taiko a évoqué l'introduction d'un token TKO qui est destiné à récompenser les vérificateurs des blocs. Les activités sur leur testnet Alpha 3 et la participation à des quêtes sur la page Galaxy de Taiko pourraient se traduire par des récompenses en token. On a également EigenLayer qui est un middleware qui est développé sur Ethereum et qui vise à standardiser la confiance décentralisée. Bien qu'il n'y ait pas encore d'annonce officielle sur le lancement d'un token, il est possible qu'ils l'introduisent pour améliorer la scalabilité et la sécurité. On a aussi Renzo Protocol qui est une plateforme de dérivés liquides qui est construite sur EigenLayer. Ils ont lancé un système de points pour les participants dans l'écosystème et les utilisateurs peuvent gagner ces fameux points en mintant et en détenant des EZETH. Il y a bien sûr MetaMask qui est l'un des portefeuilles les plus populaires dans l'espace crypto. Bien qu'il n'y ait pas eu de confirmation officielle, il y a des spéculations sur un airdrop MetaMask suite à l'annonce de la sortie d'un token natif par le cofondateur de ConsenSys, Joe Lubin. Vous pouvez aussi suivre Layer 0 qui est un protocole de communication interchain. Bien qu'un airdrop n'ait pas été confirmé, les utilisateurs qui croient en la possibilité peuvent commencer à s'engager avec des projets sur Layer 0. Pensez également à Starknet qui est une couche 2 donc qui utilise l'abstraction de comptes pour améliorer l'expérience utilisateur. Starknet a confirmé qu'il prévoit de distribuer plus de 1,8 milliard de tokens STRK à la communauté et aux parties prenantes. Vous avez également ZKSync qui utilise des solutions de Layer 2 pour une utilisation plus efficace d'Ethereum. Bien qu'aucun détail n'ait été publié, ZKSync a envisagé de lancer un token pour son réseau. Et pour finir, il y a Fuel qui est une architecture blockchain modulaire qui est originellement le premier optimistic roll-up qui a été lancé sur Ethereum. Farmer des airdrops crypto, ça peut être une stratégie qui est gratifiante pour élargir vos gains en crypto-monnaie. En participant activement aux campagnes d'airdrop, en restant informé, en gérant stratégiquement les tokens acquis, vous pouvez tirer le meilleur parti de cette opportunité qui est unique. Comme je l'ai déjà dit, n'oubliez pas de prioriser la sécurité, de faire des recherches approfondies et de rester vigilant dans le monde dynamique et en constante évolution de la crypto-monnaie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était votre explorateur. J'espère que ces informations vont vous aider à naviguer et à gagner plein d'argent dans le monde passionnant des crypto-monnaies et des airdrops en 2024. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils et d'analyses. Partagez cette vidéo à quelqu'un à qui elle va plaire. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et bons investissements. Peace.